Aujourd'hui, la carabine Marel, qui se caractérise par trois points principaux, qui sont l'ergonomie, la rapidité, la fiabilité. Aujourd'hui, la carabine Marel, qui se caractérise par trois points principaux, qui sont l'ergonomie, la rapidité, la fiabilité. Tout d'abord, l'ergonomie. Alors, les éléments qui constituent une meilleure ergonomie pour cette arme sont le levier d'armement linéaire, qui permet un rechargement rapide, l'armeur séparée, qui permet une sécurité maximale sur l'arme et qui est à portée du pouce directement. Une qualité de bois grade 3 sélectionné et une plaque de couche inflex qui permet un confort au niveau du tir et évite un relèvement du canon qui soit limité. Au niveau de la rapidité, la proximité du levier par rapport à la position de la queue de détente qui permet d'aller rechercher directement le levier pour le réarmement et pouvoir se retrouver en position de tir rapidement. Un seul mouvement pour le réarmement par rapport à une carabine à réarmement linéaire classique, puisque une carabine à réarmement linéaire classique, il faut tirer le levier puis aller le repousser pour le repositionner, tandis qu'ici il suffit de tirer, relâcher et le levier va se repositionner, le verrou va se repositionner de lui-même. Il y a également la possibilité de placer des chargeurs haute capacité 10 coups sur certains modèles tels que le 3006. Ensuite, la fiabilité est le troisième point qui caractérise cette arme, qui permet une fiabilité en tout point. Nous sommes partis du modèle Bar, qui est un modèle qui existe depuis de nombreuses années et qui fait ses preuves, puisqu'il a été vendu à plus d'un million d'exemplaires. Nous avons également repris le système de verrouillage à 7 tenons, qui sécurise un maximum le verrouillage de l'arme. Voilà, nous avons fait le tour par rapport à cette nouvelle carabine Marel. Je vais vous montrer comment ça se passe au niveau de la situation, au niveau du réarmement. Donc on se positionne, on tire. Voilà, tout doucement. Voilà, ce qui permet aussi d'éviter de lever la tête par rapport au réarmement. Voilà, on réarme directement, on réarme, on tire, on réarme, on tire. Le levier n'est pas dans la ligne de mire, donc ce qui permet d'être plus confortable et de ne pas être gêné au niveau de son tir.